Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on espère que tu te portes pour le mieux avec le frérot Vince. Aujourd'hui les gars, ça va être un pack opening des plus classiques pour les futies. On a bien bossé le jeu, tu verras ça dans un instant, mais juste avant, si tu kiffes la vidéo, le gros pouce bleu, merci à tous, les refs de tout votre soutien pour le mois de juillet et d'août. On sait que voilà, c'est pas forcément les mois les plus forts sur FIFA, mais voilà, on apprécie fortement ton soutien, donc merci à toi. Et n'hésite pas à t'abonner si t'es toujours pas abonné, pour ne pas manquer la fin du contenu sur FIFA 22 et le début de FIFA 23, les gars, parce que ça va arriver assez vite. Et comme tu peux voir, non, ce n'est pas une image buggée, juste les gars, on va commencer cette vidéo avec un banger. En fait, il y avait les récompenses Division Rivals du coup de jeudi, et en fait... j'ai ouvert un pack les gars malencontreusement. Je vais vous montrer c'était quel pack. Sur Xbox. Et on a tapé Ousmane Dembélé. Donc du coup j'ai fait une petite capture d'écran. Il est juste là le Ousmane Dembélé. Il bosse. 15 matchs, 10 buts, 8 passes des. Voilà, j'ai fait quelques rush kits par-ci par-là les gars en Div Rivals. Et aussi n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitter, Instagram, parce qu'on organise un concours pour te faire gagner potentiellement FIFA 23 avec l'édition ultime. Et donc voilà les gars, je voulais juste aussi vous montrer le petit pack en fait. On a tapé Dembo, c'était dans celui-là. Vraiment un pack imbondable, des plus classiques. Il coûte encore 500 000 crédits sur Xbox et c'est vraiment une très 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 belle carte. Je joue du coup avec lui, ça c'est l'équipe les gars, elle a pas changé, Cruyff, Dembus, et en fait si elle a changé, j'ai juste enlevé du coup Modric qui était titulaire, et donc du coup j'ai fait repasser Zidane en tant que player dans un 4-3-1-2, Zidane, Matheus, Vieira, donc du coup Cruyff en 10, Messi, Dembus devant. Et juste une chose les gars, Ousmane Dembélé c'est le roi des longs ballons, genre il est tellement rapide, tu fais un long ballon avec lui, à chaque fois ça passe derrière le défenseur. Donc aujourd'hui les gars, pourquoi on fait cette vidéo? Déjà de une, parce qu'on a beaucoup de points à couvrir, et de deux, la douche les gars, on ne connaît pas au mois de juillet. Vincent comme moi aujourd'hui les gars, on a terminé la coupe Serie A Futis. Alors c'est pourquoi, alors justement pourquoi les gars, si vous saviez pas, la plante va mal. Je pense que vous étiez peut-être pas mal à savoir. En fait je pense que EA a fait ça exprès. C'est que maintenant les coupes Serie A tu peux les faire d'un coup. Ça prend un peu de temps. Moi je sais que j'ai pris entre 1h30 et 2h pour faire les 27 victoires, parce que c'est 27 victoires. Et il faut aussi du coup que 3 équipes max. Non, 3 clubs. 3 clubs max dans les titulaires. Dans le 11 des titulaires. Donc voilà, ça c'était un peu dur. Donc il faut que tu joues avec des équipes comme Milan, l'Inter, la Juve, ce type d'équipe là. Mais les joueurs coûtent très cher. Je sais que j'ai acheté un Hernandez pour 20 000 crédits. Je vais vous montrer vite fait les gars aussi sur les transferts. Parce que j'ai pu jouer avec des cartes qui étaient très sympathiques. Comme la carte de Ibrahimovic. Winter Wildcard qui coûte genre 50 000 crédits. J'étais abasourdi. Choqué. Donc du coup comme récompense on va checker ça juste après les gars. Mais je pense que t'as quand même des sacrées récompenses. Et voilà, comme j'ai dit, c'est 1h30, 2h, tu pourras faire ça d'un coup. Et là tu peux récupérer ton pack. Je crois qu'à la fin t'as même un pack Ferron. Et j'ai même un pack aussi. Je vais vous montrer juste avant les gars du coup la liste des transferts. Comme tu peux voir aussi, j'ai 3 800 000. C'est vrai qu'il c'est beaucoup de crédits à ce moment là du jeu. Il faudrait peut-être commencer aussi à lâcher pas mal de crédits. Donc voilà, Ibrahimovic, Barella, Sanchez, Di Lorenzo, Rebic 37 000, mais aussi il y avait un Théo Hernandez que j'ai vendu pour 20 000 crédits. 25 000 crédits. 25 000 crédits. Dinguerie. Maintenant, limite, les joueurs hors rares partent plus que des Fodders à 92-93. C'est genre complètement une dinguerie, les gars. Donc, je pense que la plupart de nos clubs en ce moment ressemblent à carte spéciale et limite à des joueurs argent après, tellement c'est une galère. Ouais. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire si toi aussi ton club il ressemble à ça. En tout cas voilà, c'est la fin du jeu sur FIFA, il n'y a rien de très particulier. Bon ça c'est un... Et on n'ouvre pas comme si c'était rien. Mais voilà, vraiment les gars, on ouvre des packs comme si c'était tout un des 4 joueurs 85+. Et donc on aura Franky de... Voilà les gars, mais je pense que c'est vrai que les cartes or rares pour le coup, dans ton club tu dois pas en avoir beaucoup. Moi je sais que les cartes or rares j'en ai pas mal, parce que je fais pas trop de SBC. Faudrait peut-être que je commence à en faire, mais je sais que t'en as quand même pas mal. De personnes, des frérots de la commu qui sont quand même short au niveau des joueurs hors rares. Hors rares, ouais. Et là, avant ça, je crois que t'as oublié de récupérer ton... Le petit pack. Le petit pack, ouais. Ouais. Je sais pas ce que c'est aussi, parce qu'ils le disent pas. C'est un choix joueur. On sait pas. Bah tiens, je te laisse ouvrir un des 4 joueurs métamorphosés. Donc ça se trouve, ça, c'est un bon petit pack. Ok. On va prendre Neuer. Allez, tiens, on va prendre Neuer. Ce sera peut-être plus facile pour les liens, mais bon. Tiens. 3 goals 95, ce qu'on connaît très bien d'ailleurs. Du coup, avec les doublons dans les packs, on a pu faire un 10 joueurs 85+. Et donc, du coup, on terminera la vidéo sur ça. Mais juste pour vous montrer avant, les gars, on a des bons packs très sympathiques. 2 packs 5 joueurs 85+. Un choix Tots ou Métamorphosé 92+. Un joueur homme Jumbo Premium. C'est là où j'allais taper Dembouz, les gars. Et après, on a quelques packs à 100 000 et 2 packs méga des playoffs. Parce que, oui, aussi, les gars, on va terminer. Du coup aussi FUT Champions. Je suis en 4 victoires 0 défaite. Je vais commencer un petit peu de mon côté les gars. Et on va terminer tout ça en stream. L'objectif c'est soit 14 soit 16.
Même si je pense, les gars, que la semaine dernière, j'aurais pu faire beaucoup plus que 16 parce que j'étais en 16 et 2. T'aurais pu faire les 18. J'aurais pu faire les 18, je pense. Mais en août, les gars, je vais pas vous mentir que même moi, la motivation, elle est pas si folle que ça pour continuer jusqu'à plus de 16 en août. Mais déjà, ouais, déjà même plus que 14. Même plus que 14, déjà. Même 14. C'est voilà, c'est difficile de trouver la motivation parce que, en plus, t'as 3 800 000 crédits. Donc, n'importe quel joueur que tu veux, tu te l'achètes tranquillou. Et en stream, on terminera aussi le 90x7 sur le compte Xbox parce qu'on l'a pas fait encore sur le compte Xbox, le 90x7, je pense que je peux le faire deux fois parce que j'avais pas fait vendredi. Je crois que tu peux le faire une fois. C'est une fois par jour, je crois. Ok, je pense. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est une fois par jour. Donc voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gars, on a vu le Community Shield. Alors, Liverpool, Man City, regarde qu'on tape. On tape Foden. Alors, les gars, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu rigoler parce que sur Twitter, les gars, à la fin, comme c'est les premiers matchs de la saison, tu vois, de foot, ça nous a tous manqué, tu vois. Mais certains avis, les gars, sur Twitter, bah, je sais pas s'il y en a qui sont sur Twitter, mais voilà, vous devez sûrement savoir, mais c'est des fois, c'est du n'importe quoi. Limite, maintenant, les gens préfèrent qu'il y ait genre 11 robots, 22 robots sur le terrain, tu vois. Genre, les joueurs ne peuvent pas faire d'erreur. C'est juste aberrant. Donc voilà, moi, je trouve ça un peu drôle, mais bon, c'est vrai que. C'était un bon match, mais quand tu vois Twitter et tout le monde qui termine Nunez ou Haaland, alors que voilà, c'est le premier match entre guillemets officiel de la saison et tout, je trouve ça un peu ridicule. Donc voilà, moi ça m'a bien fait rire et je voulais savoir votre avis, les gars, par rapport aux réseaux sociaux et les footballeurs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour parler du match, les gars, je vais pas vous mentir, c'est un bon match. C'est un très très bon match, c'est un match de haute qualité. J'étais pas mal surpris du niveau de Liverpool comparé à. Du niveau de Liverpool comparé à Man City, j'ai trouvé Liverpool beaucoup plus en jambes que Man City. Après, je pense aussi qu'il y a pas mal d'automatismes à faire du côté des Citizens et surtout aussi par rapport à leur style de jeu. C'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à avoir un faux neuf et là, c'est vrai que l'arrivée d'Haaland change pas mal de choses. Là, le Ferran Torres, les gars, vous inquiétez pas, il est vendable. Par contre, le Rodri, il est pas vendable, les gars. Donc, les gars, vous savez quoi, limite Tu peux le récupérer plus tard. Même moi, j'ai un gros joueur à récupérer, mais faut pas que j'oublie de le récupérer. Et allez, bam. Donc, ça, les packs 5 joueurs 85. Plus, c'est de la coupe Serie A. C'est de la coupe Serie A. Ouais. Et juste pour terminer aussi, les gars, par rapport à ce match de Liverpool City, ça m'a fait un réel plaisir de revoir pour le coup du haut niveau. Parce que le dernier match de haut niveau qu'on a regardé, c'était la finale de Ligue des Champions. Tu vois, finale de Ligue des Champions et finale de Ligue des Champions, je vais pas vous mentir, les gars, le 0-0 à la mi-temps. Généralement, les finales, c'est jamais les très gros matchs. Jamais les très gros matchs, je trouve, c'est souvent des matchs fermés. Mais ouais, moi, ça m'a manqué un peu. Là, même moi, la Ligue 1, ça me manque. Ouais. Je sais pas vous les gars, la Ligue 1 ça me manque. Là, la Ligue 2 a repris ce soir, samedi soir, c'était cool. Et là, t'as du Bergam. Oh, le doublon. T'as un doublon encore. J'ai un doublon Bellingham. Bah là, ça envoie dans 90x7. Allez, vite ça. Là, pour le coup, c'est 90x7, messieurs. Et c'est vrai que Jude Bellingham, les gars, doublon, c'est. C'est rare. Mais bon, c'est sympa. C'est un doublon. Du coup, les gars, j'ai complété la première équipe du SBC 90x7. Et donc, du coup, on renvoie Bellingham dans le club. Et là, du coup, il nous reste 3 petits packs bien sympathiques. Un pack 25 000 vendable. Et après aussi, les gars, du coup, on aura les mêmes packs, mais du coup, sur PlayStation. Pas les packs vendables, parce que là, ça, en fait, bon, du coup, j'ai même les dire. Ça, c'est des packs de Division Rivals, des récompenses de jeudi. Et là, à l'heure où on tourne cette vidéo, les gars, il est samedi soir. Donc, ça fait déjà depuis 2 jours que j'ai ces petits packs-là. Mais on a déjà tapé des boosts dedans, les gars. Donc, je peux pas me plaindre de mes récompenses Rivals dessus. Et là, du coup, l'avant-dernier pack, Metamorphosé Tots 92+, c'est comme les récompenses Future Champions, sauf que là, c'est pas vendable. Et c'est juste un joueur. Ça sera autrichien, ça sera David Alaba. C'était uniquement la Liga, non? Non, je ne pense pas. Je sais pas si j'ai vu uniquement, si c'est mon cerveau ou pas, mais j'ai vu juste uniquement la Liga. Je ne pense pas, Liam. En tout cas, on termine la vidéo, les gars, sur le compte Xbox. Bah non, avant de passer sur PlayStation. Ah oui, Vincent, il est pas concentré. Ah, c'est pas ouf, ça. Pedri? Oh non. C'est-à-dire, t'as... Oh, tu t'es fait piétiner. 85 x 10, le mur, c'est un 89. Oh, tu t'es fait piétiner. Après, ça va. Ah non, tu te fais piétiner. Ouais, quand même. Ouais. Bah ouais, parce que là, il faut au minimum un 92-93. Ça aurait pu être bien pire parce que j'ai que 1,86 et 1,85 pour le coup. 3,86 et 1,85 pour le coup. C'est pas un bon pack. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. J'avoue, c'est pas le meilleur, les gars. C'est pas le meilleur. Mais bon, c'est pas grave. On avait comme doublon en début Pedro Porro. Et on termine sur Pedro Porro pour le compte Xbox. A tout de suite, les gars, sur le compte Play. Ah, j'aime bien, les gars, je vais pas vous mentir, avec Clem, j'ai juste de dire ça, mais ça fait longtemps. Ouais. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo juste comme ça où on parle à cœur ouvert. Et... C'est vrai que moi j'aime bien, les gars, j'aime bien, ça change de tout le temps être en stream. Tout un sort, voilà, c'est une vidéo genre uniquement. C'est cool. C'est chill quoi, c'est cool. La chill, ça la cool. Là, les gars, c'est mon équipe Serie A, donc tu vois, j'ai utilisé Lazio, Juventus et Milan.
Et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas mal de joueurs du Milan dans mon club. Voilà, c'était plutôt cool. Et au pire, t'achètes 2-3 joueurs. Exactement, c'est exactement ça. Donc les gars, moi ça m'a pris à peu près 2h30. Je suis tombé sur quelques frérots qui voulaient absolument terminer leur match alors que je mettais quand même des gros scores. Donc moi, chacun fait ce qu'il veut, y a pas de souci. Hein. Mais ça m'a pris à peu près, je pense, 2h30. Et j'avais déjà ouvert un choix joueur, le premier choix joueur, et j'ai eu Rafa Varane Once to Watch. C'était le premier des trucs. Donc là, on va voir déjà pour 10 victoires. T'as des bons packs, franchement, ça vaut le coup, ouais, les gars. Ça prend certes du temps, à la fin de ton foot champion, tu t'en occupes, ça prend certes un peu de temps. Ça prend 2 heures quand même. Je pense que c'est fun. Tu vois, moi, j'ai mis un petit podcast à côté. C'était pour moi, pour le coup, tu vois, ça me dérange pas de t'as fait ça. Je préfère t'as fait ça plutôt que faire des joueurs. Tu vois, des objectifs joueurs. D'ailleurs, les gars, j'avais cette petite question pour vous dans les commentaires. Dis-moi quelle équipe tu supportes dans les commentaires. Est-ce que t'es content pour le moment du mercato de ton équipe? J'avais ces discussions justement avec un ami, c'était mercredi soir après la finale après la demi-finale pardon de l'Euro féminine par rapport au mercato du PSG. Moi je trouve en tout cas les gars en tant que supporter parisien qu'il manque un gros milieu de terrain, une arrivée d'un gros milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Vitinha c'est cool, Vitinha c'est le long terme, mais en Ligue des Champions, Vitinha. À voir. J'attends de voir, tu vois. Donc pour moi, vraiment, pour le mercato du PSG, j'attends quand même encore un gros milieu de terrain. Oui, il faut vendre. C'est qu'il faut vendre. On a du mal à vendre. Là, il y a ce qui paraît, il y a Ghana, il y a Idrissa Ghanaghiaye qui va aller à Everton. Sûrement, il y a des rumeurs de départ. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais. Les gars, c'est pas mal ça pour les SBC. J'ai aussi dans le club d'ailleurs aussi, j'ai pas dit, mais j'ai aussi Gareth Bale 95 dans le club. Ça, c'est cool parce que derrière, ça donne des grosses notes. Des 95. Très bonnes notes. Allez, on aime bien ça. Allez, donne-moi du lourd. Bah, je vais prendre Maignan, je pense. Parce que je pense que. Non, mon Maignan, il est vendable parce que si je l'ai eu dans mon pack direct. Ah, il n'est pas vendable. Il n'est pas vendable. Allez, messieurs. Un des 3 métamorphosés, mais ça donne vraiment. Ouh. Ah là, c'est peut-être là qui était. Non, c'est pas fou le CR ça. Je sais pas. Peut-être, je me trompe, non. Mais moi, c'était sur un de tes packs, je pensais que c'était genre fou de la Liga. Bah, on n'a pas très très bien vu, mais à voir. Ouais, ils sont pas très très bons les packs. Pas fou, là, pour après, le Cuadrado, ça me dérange pas parce que Syria, ça me dérange pas plus que ça. C'est parti pour le pack 5 joueurs 85+. Et messieurs, à la fin de la vidéo, il y aura un choix joueur capitaine métamorphosé. On espère David Ginola et Kimmich 97 pour le premier 85+. En fait, si t'additionnes les deux, c'est comme un 85x10. Ouais. Gratuit. Franchement, les gars, juste gratuit. Pour le coup, Kimmich, ça valait le coup. Wow. Ah. Bah, tant mieux. Ouais, bah, parce que là, il manque une équipe 86 pour le choix joueur métamorphosé, messieurs. Parfait. Après, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un. Ouais, non, tu sais quoi, je vais faire le choix joueur et en stream, je vais faire le 90x7. Okay. Il faut 3 équipes. Vas-y, bah, les gars, je termine le SBC, comme ça on double le choix joueur tranquille. Bah, les gars, c'est parfait pour l'équipe notée à 86, on va envoyer ça. Donc là, on aura le choix joueur métamorphosé capitaine sur Twitch. On vous a dit, les gars, c'est le pack douille. Ça, c'est le choix douille par excellence. Mais j'ai vu quand même quelques mecs taper du David Ginola, du Abedi Pelé dans celui-là. Donc on espère taper du très très lourd. Et t'es obligé de l'ouvrir maintenant, du coup. C'est 1 sur 5. Ouais. Allez, messieurs, allez, bam. David Ginola, je prends. Par contre, Joko, moi, je prends même Di Natale. Ah, mais c'est pas 5. Oh, si, c'est 5 étoiles. Attends, Di Natale, il a combien? Les gars, je pense que le plus forfait pour moi, parce que Joe Cole, ça part pas, ça part, non, ça part pour rien. Moi, je pense que j'aurais pris Joe Cole parce que Joe Cole, c'est un joueur qui me tâte de fou. Franchement, les gars, lui, c'est le but qui m'a le plus choqué, c'est Angleterre-Suède, vraiment. Pourtant, en plus, j'avais tweeté ça il y a quelques temps. Joe Cole extérieur du pied, heureusement qu'il l'a. Allez checker, les gars, si vous n'avez pas la ref sur YouTube, s'il vous plaît, les gars. Joe Cole, Angleterre-Suède, tu verras que c'est un but monstrueux qui met en Coupe du Monde 2006. Bah, en vrai, là, j'ai déjà fait les trucs de la Coupe Serie A, donc Di Natale, il me servira pas pour grand chose. Par contre, c'est vrai que Joe Cole, c'est un joueur 96. Moi, je t'ai dit, viens prendre. Donc, Joe Cole, allez. Cole, en vrai, c'était un bon choix. En vrai, je suis entre guillemets assez. Pas Ginola, il n'y a pas Ginola. Non, mais c'était correct. Après, il y a aussi Abedi Pelé aussi qui m'aurait fait de l'œil. Et aussi Antonio Di Natale qui a une, si je sais pas si tu savais, une carte AD. Ouais, mais 97. AD, pas ouf. Il a 2 millions de crédits, frérot. Ouais. Genre, c'est l'un des meilleurs AD du jeu. Il a 2 millions de crédits encore. Je pense que c'est l'une des cartes les plus rares du jeu. Donc là, il nous reste 2 packs à ouvrir. On espère taper du lourd dans le pack 5 joueurs 85+. Et j'espère avoir pas trop de doublons. Ou au moins, comme ça, au pire, je commencerai les 90x7. Ça va être sûrement. C'est Mbappé, les gars. Oh. Non, c'est la borne. Mbappé, je crois que c'est Tots. Les packs. Oh. Des valises. Bon, très bien. Allez messieurs, pour le dernier pack de la vidéo, Vincent, j'ai cru Mbappé les gars, BU français de liner, pour moi dans mon manuel, il y en a qu'un. Ouais.
Il y avait aussi Gaëtan. Gaëtan Laborde. Donc là, les gars, contient un joueur métamorphosé ou équipe de la saison, première ligue, Ligue 1. Ok, ok. C'est pour ça que j'avais vu la Liga à la fin, c'est là où t'avais tapé David Alaba. Je pensais que c'était que la Liga. C'est pour ça, les gars. Allez, c'est parti. Si t'as kiffé au moins la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. Tox, Haaland, en parlant de Man City et tout à l'heure. Mais bon, Haaland se fait pas mal charrier là sur Twitter. Je pense vraiment qu'il faut lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps, les gars. Et par contre, ça sera une bête. Ça sera vraiment pour le coup un monstre, je pense. Dès que la saison appelle, va se lancer. J'aimerais pas affronter Man City cette année. Et heureusement qu'on va pas les affronter cette année en Champions League parce que nous, on est chapeau en tant que supporter parisien. Et eux aussi, ils sont chapeau comme ils ont terminé en tête de leur classement. En tout cas, les gars, le programme, on va terminer FUT Champion sur le compte Xbox. Et aussi, je vais faire mon 90x7 ainsi que Liam qui fera aussi son 90x7, les gars. Donc voilà, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch ainsi que Twitter et Instagram pour potentiellement gagner le FIFA 23 édition ultime. Et même si tu veux interagir avec nous. Exactement. Voilà, il n'y a pas que le concours. Et gros merci, les gars. Gros big up pour votre soutien. Mon prénom, c'est Vincent. Moi, c'est Liam. Prends bien soin de toi et prends bien soin de tes proches. Que Dieu love, les frérots. Ciao. Tchuss.